Salut, je m'appelle Rémi Girard et regarde ce que je sais faire. Donc j'ai commencé le parcours il y a environ 10 ans. Donc c'était avec des amis en sortant de l'école, on est bien grimpé partout, monté dans les arbres. Et donc petit à petit c'est devenu sérieux, on a commencé à trouver des matelas dans la rue, on les a posés dans des parcs, on a commencé à s'entraîner, bah, qui peut faire salto arrière, salto avant, et c'est vraiment parti de là. Bah, au début quand j'ai commencé le parcours, donc c'était juste on filmait avec des téléphones, juste pour filmer un peu nos exploits, filmer un peu les sauts qu'on faisait, c'était plus pour rigoler. Et c'est vrai que maintenant avec notre équipe à Marseille on fait des vidéos beaucoup plus professionnelles, pour pouvoir nous promouvoir en fait. Marseille, c'est un très bon terrain de jeu pour faire du parcours. Mais en même temps, c'est là où j'ai grandi. Donc, je connais beaucoup d'endroits, beaucoup de lieux différents, beaucoup de différents spots, beaucoup de toits. Le parc du Pharo, ce qui est bien, c'est que c'est de l'herbe, c'est de la pelouse. Donc, c'est vrai que pour s'entraîner, surtout sur les enchaînements d'acrobatie, c'est bien de commencer dans l'herbe, pas directement sur du béton. Et après, j'aime aussi beaucoup le Palais de Justice et Colbert. Donc, c'est des spots qui sont en ville et on se rejoint souvent avec les amis pour s'entraîner. Il y a beaucoup de choses à faire.